Frédéric Gérard, je travaille pour Bordeaux Métropole au sein de la Direction Générale du Numérique et des Systèmes d'Information. Au sein de cette direction, je suis responsable d'une équipe qui a en charge notamment la supervision technique et applicative du SI. Alors, les besoins donc que nous avions, c'était d'avoir quelque chose qui soit facilement déployable et qui soit surtout non intrusif afin de ne pas venir perturber tous les projets de convergence qui étaient mis en place. Et c'est en ce sens où nous avons vraiment beaucoup apprécié cette solution, car justement, son déploiement s'est fait vraiment en parallèle du SI. La prise en main était vraiment rapide, ce que nous avions pu valider initialement dans un POC. Et grâce à ça, nous avons pu rapidement avoir un déploiement qui nous permettait d'avoir une vue assez synthétique et complète des différents services métiers. Alors, tout dépend du sujet. Ce qui est très intéressant, c'est que quand si on est sur des problématiques de troubleshooting ou de tuning, la capacité d'avoir des graphes très précis et de pouvoir faire rapidement du drill down nous fait gagner énormément de temps sur la résolution des problèmes. Et l'autre aspect est la mise en place des tableaux de bord qui sont, à partir de la V5, qui sont vraiment un plus en termes de communication, d'analyse et surtout de pouvoir fournir des données, des tableaux de bord compréhensibles aux différentes équipes, que ce soit des équipes techniques ou des équipes fonctionnelles. Et tout de suite, on s'est senti en capacité de pouvoir répondre aux attentes qui nous avaient été formulées, répondre aux projets qu'on nous avait posés sur ce sujet.